الزلف اللون في كلتان نروح غيون ونغير ورن اللي أمي أمي يا ذشكو أنا كي يكي ورن اللي يرى ديليجين لارش لاروش يدي تالي ثنين أشكو ذنساري قلان سوفلان وقرون بوني نقار شيف دي سيرفيس دورجونس دي لوبيتال نتيزي وزو سي اش نتيزي وزو وكين دكتور كمال داودي راتينير اي دكتور داودي ازوف لاي زلف اللون زلف اللون يوك لما تمر في القبائل تمر في الجزائر سوثما إقلان سوما إقلان دينا دي تمر في كندا ثاني ميرتا دكتور داودي نفرح حتى السناقي ثاكيني كاشكو كتشيني ثليظ قلنا ثليظ كتشيني يروي ذنا وين يقولن اوكار ياك وكاديك تمتاثن وكاديك بليسين تروح عندك نير سبيطار نتيزي وزور او يفون نفك ثناقي ثيني كاشكو ثناقي ثيني سعيا زال طاس طاس فذو ديك اللي كيهوا ميد امكيد فذاني غفلان اكيني كان ثاكي تان مزواروث دابا اللي دام زوارو عند لي جورناليست نغ لي ميديا الجزائريه اما ذاكيني اما ذي مورث البراني يد سيد مكتان غيد سقسان واشو ينخدم السني والسنني ماكن تفسو تبركات يقدر ندي زي وزو والسني سكو سام زوارو الماذا سمي كفاني مجراح كفات كفا كفا طراد خاطر دمير طراد يميرنت قال له قال ثمرت القبايل ذي جدرميا نظ لا بوليس وقال الحكام يقول هذا صدير لي فورس دو لور غير لي مانيفيستون كي تي ذاك دو سقسم زوارو قسمي بغلافور بماسيني ساكرماح صوت راسي نوك الرحمه 127 ل 200 ني دونك سقسني نوتر ميسيون المهم انا خدميت دون لي ريغل دو لار نو افون ترافايي جور زي نوي افيك مي كوليغ et mes amis, ennemis, d'esmi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une manifestation. Donc, je suis là, qui n'y a pas. Je suis dans le site de Zouara, je suis dans le Massimista Germach, Salva Sarahma, il y a beaucoup de gens qui mourent, blessés par balle, blessés en Irak, je suis dans le Nouya de Niron, Mais les choses que je veux dire, sincèrement, je n'ai pas de protection. Surtout le Wakhta Guiné, à Dini Rawal, à Dari Kali, à Dari Kali, à Dari Kali, donc, grosso modo, nous avons reçu presque plus de 2500 blessés. Vlaïd, Massoud Aslam, avait reçu à l'époque tous les documents des blessés, des décès. C'était que j'avais collégé dans des disquettes à l'époque, disquettes informatiques. Donc, à chaque minière, les blessés modo, en majorité, ou bien les décès ou les blessés en majorité, la porte d'entrée de l'impact balistique était dorsale, était postérieure. Oui, donc, alors, on remercie l'administration de l'époque qui avait mis à notre disposition tous les moyens matériels qu'il y avait. Nous avons fait face aux différents blessés, des gros blessés, dans des plaies, des traumatismes thoraciques et abdominaux et cérébraux, chacun dans sa spécialité. Et pour vous dire que sur le plan dans ma spécialité, c'était la première fois qu'à Tizi Ouzou, autant de thoracotomie, c'est-à-dire l'ouverture du thorax, avait été pratiquée. Au nombre de 17 que j'avais réalisé moi-même, avec des moyens de bord. Donc, il y avait des malades qui avaient des délabrements des poumons. C'est ce qui est... Donc, les poumons à l'ouverture du thorax, c'était devenu de la bouillie. Il y avait des malades qu'on avait sauvés. Il y avait des malades qu'on n'avait pas pu sauver, faute du bilan lésionnel qui était gras, qui était important. Donc, à la situation de Guimérin, les blessés, nous avions mis en condition la structure existante. C'était une nouvelle structure avec un plan hors sec. Il y avait des équipes qui étaient reparties pour l'accueil des malades, le tri des malades.
Et puis, l'hospitalisation pour toute pathologie balistique, c'est-à-dire tout traumatisme balistique léger en fonction de la gravité. Donc, mais le plus souvent, donc les 127 martyrs qu'on a, parmi les martyrs, les victimes qui ont décédé qu'on avait reçues là-bas, il y a c'est celui qui a le plus qui m'a le plus marqué, c'était Mouder, quelque chose d'Azazga, qui avait et un autre de Tadmeik, c'était des traumatismes crâniens. Les victimes avaient été évacuées avec de la matière cérébrale dehors. Donc, c'était marquant. Par contre, on a tiré d'affaire beaucoup de malades, beaucoup de jeunes qui ont survécu, qu'on a opéré, ou alhamdoulilah, au point où nous avions par la suite fait le bilan du travail fait, que devant une telle situation de catastrophe naturelle, si on peut parler d'une catastrophe naturelle, mais celle-ci c'est une catastrophe causée, engendrée par des esprits, nul ne pouvait faire face comme on l'avait fait face, parce qu'on l'avait fait de tout cœur, Tsamurthana. Tsamurthana, Dathmathana, Tishtmathana, au point où je vais vous dire que, à l'époque, j'avais appelé le wali de l'époque. Je reviendrai après sur un autre thème, le wali de l'époque, parce que des bombes lacrymogènes parvenaient au service des urgences, et parmi un jour, il y avait tout un bébé de 9 mois qui était blessé, que j'avais entre les mains. J'étais obligé de l'évacuer à la cave avec et l'oxygéner, parce qu'en bas, on avait des obus d'oxygène ambulatoire, des ballons d'oxygène, d'air, pour permettre de l'oxygéner, parce qu'il était intoxiqué par par les bombes lacrymogènes. J'étais par la suite obligé d'appeler le wali de l'époque, c'était Monsieur Wali Abdelkader. Lui signifiant que il y a des bombes lacrymogènes qui parvenaient au PU, la réponse était gravissime. Il y a un bébé de 9 mois qui est asphyxié par l'oxygène, par les bombes lacrymogènes, et vous me dites, vous me répondez. Imaginez-vous une réponse d'une autorité. Au lieu de répondre, de dire, voilà, je vais interpeller les forces de l'ordre pour évacuer, pour éviter d'orienter leur tir vers le pavillon des urgences. Malheureusement, la réponse à Khalif Kiraxil. Il y a par la suite, donc la gestion était quotidienne, jour et nuit, on était mobilisés, c'était des équipes, c'était un plan hors sec bien établi. Nous avions travaillé en collaboration avec l'administration de l'hôpital, la corporation médicale, le conseil médical, conseil scientifique de l'hôpital, qui avait été sous la présidence de notre ami docteur Saïd Flé, à l'époque. Et sur ce plan, il n'y avait aucun. Même la population était très très organisée, elle a respecté les règles de travail. Il n'y avait pas d'afflux pour dire effectivement, c'est naturel que les gens s'inquiètent sur leurs parents, sur les victimes, sur les décès. Mais sur ce plan, il n'y avait pas il n'y avait pas de débordement. Maintenant, je reviens à un point très important et qui me tient à cœur. C'est que c'était la visite à l'époque du ministre de l'Intérieur de l'époque, Zarhouni, et était venu. Alors, moi, je sortais, il était vers 23h30, presque minuit, je sortais du bloc après avoir opéré quelqu'un pendant 5 heures d'un traumatisme du poumon qu'on avait sauvé, alhamdoulilah. Et c'était un jeune de 33 ans, comme ça, un jeune de 33 ans de la région de Tixi. Pour vous dire, je me souviens des noms, je ne me souviens pas des noms. Il y avait des listes qui étaient établies quotidiennement, dont une copie était transmise à l'administration, une copie, personnellement, que j'avais donné des disquettes à Vlad Abrika. Puis, donc, monsieur le ministre arrive avec une délégation d'une vingtaine de personnes,
accompagnés d'un médecin, de surcroît médecin, ils font effraction dans la salle de réanimation. Et pour ce jour, il était vers, je vous dis, il était vers minuit. Il y avait l'infirmier de garde qui m'interpelle. Et moi, j'étais en train de rédiger un protocole opératoire du malade opéré. Et puis, il me dit, oui, la salle de réanimation est archi-comble, il y a le ministre qui est venu. Et là, moi, j'étais... Alors que cette salle, on avait instauré un système d'asepsie rigoureuse. L'accès à l'intérieur était strictement interdit, sans tenue stérile obligatoire. Il y avait des règles. Tout le monde respectait. Il a fallu que ces hommes d'État, ces hommes de loi viennent, ou bien cette autorité vienne piétiner cette réglementation. J'étais contraint de les inviter à sortir. Je vous dirai la phrase que j'ai dite, je vais vous la répéter parce qu'elle est gravée dans mon esprit. Allô? J'ai dit, monsieur, messieurs, ça ce n'est pas un café, ça c'est une salle de réanimation. Je vous prie de sortir. Et là, vous êtes en train de parler à un mort. Quelqu'un qui était sous appareil, dans le coma, il ne pourra pas vous répondre. Donc, bien sûr, il y avait des caméras avec eux. Ça, c'est pas la peine. Là, maintenant, je vous le dis, à la sortie de le Wali Abdelkader, de l'époque, Abdelkader Wali m'a fait du signe, une menace. Donc, j'ai dit, donc, c'était mes propos, je les maintiens à ce jour. D'ailleurs, ces deux personnes-là, je vous le dis, moi, la peur est derrière moi. J'ai peur de faillir dans ma mission. Voilà ma peur. Donc, je les invite encore une fois à venir en aparté ou en public devant des médias et à débattre de la situation de 2001. On verra qui avait tort et qui avait raison. Oui. Maintenant, vous voulez que je vous parle des suites? Parce que moi, vers la fin juin, donc dès la création de Mouvement La Roche, Velaïd m'avait appelé. On est resté, à ce jour, moi, Velaïd est resté mon ami. On est du même quartier, on a grandi ensemble, même s'il est plus jeune que moi. Mais notre amitié s'est encore consolidée avec les événements. Donc, Velaïd m'avait invité à assister au conclave. J'ai dit, moi, ma mission, elle est plus médicale que politique. Parce que ce que j'ai dit était très percutant comme phrase, parce que j'avais fait des déclarations que vous pouvez retrouver dans les journaux de l'époque, Le Matin, Loatan, Liberté. J'ai reçu même José Garçon, qui était venu, j'ai reçu des hauts cadres dans mon bureau, des hauts cadres algériens en tenue civile, prétextant qu'ils sont venus dans le but de ne pas ébruiter ce qui est fait, c'est entre nous. Moi, j'ai dit ce que j'ai dit et je le maintiens. Moi, j'ai agi en médecin. Un être humain qui se fait tirer une balle avec un orifice d'entrée dorsal et qui éclabousse ses organes interne, moi j'appelle ça une balle qui n'est pas une balle conventionnelle. Donc il y a ça, et par rapport à cette déclaration, je vous dirais qu'à l'époque, j'avais reçu des appels de France disant que si vous êtes en manque de telle chose ou de telle chose ou de telle chose, j'ai dit effectivement, j'avais dit à l'époque, nous ne sommes pas au Burundi ou en Éthiopie. Malheureusement, le Burundi et l'Éthiopie maintenant nous dépassent de très loin sur le plan organisation, sur le plan émancipation, édification de leur pays. Donc, sur ce plan, j'avais mes positions qui étaient constantes et je vous dirais que après coup, je pouvais dire aïe, parce que on m'a monté le coup d'avoir volé un appareil dans la structure hospitalière. Alors que moi, j'étais au chevet de mon oncle paternel qui était officier de la LN, et était capitaine de la LN. Il était hospitalisé à l'hôpital des Oranges à Alger. C'était le mois de carême, j'étais après le Maroc pour le voir. En fin de compte, j'ai trouvé dans un état piteux que j'avais
Je l'avais évacué le lendemain sur Tizi Ouzou pour le prendre en charge. Et on me montre une histoire de vol d'un appareil de la taille d'un frigidaire. Je vous dis, la taille d'un frigidaire comme celui-là. Et puis, on me dit que j'ai volé cet appareil. J'ai fait passer à travers le Lucas. On est passé en justice et la procureure de l'époque, en audition, me dit, j'allais parler, elle m'a dit, chut, Miras, madame, je ne suis pas un baba, je ne suis pas un mouton ou une brebis pour me dire ça. Je suis d'abord un être humain, je suis un citoyen et je suis un cadre. La phrase de cette personne-là, qui était magistrate, Skotou l'indique le Habs. C'est grave. Donc là, puis par la suite, j'étais en contrôle judiciaire pendant 6 mois, et le jour où j'étais pas avec M. Agoumaz Mokran, qui était un ami anesthésiste avec lequel on a mené la bataille pendant 13 jours, on n'est jamais parti voir nos enfants à l'époque. Donc, nous ont occupés. Ils avaient dit à Mokran Agoumaz, anesthésiste, si tu déclares que Dr Daoudi a volé cet appareil, on va te libérer. Et lui, il lui a dit, écoutez, vous avez dit ça vous-même, signez vous-même, moi je signe pas. Et c'était le même cas pour moi. On nous a séquestrés au commissariat de police en plein carême, de 10h du matin jusqu'à presque le Maghreb, pour nous relâcher et nous reconvoquer le lendemain pour nous présenter chez le procureur. Chez la procureure dont je vous ai parlé. Je cite pas les noms parce que ça n'a pas d'importance. Maintenant, ça pour que l'opinion internationale sache que le droit de l'homme est vraiment piétiné chez nous. Ça, je le dis. Par la suite, c'était les embûches dans mes activités professionnelles et dans ma vie familiale, le téléphone sur écoute, les menaces dehors. Et pour vous dire que un jour, je ne sais pas si c'est le 14 ou le 17 juin ou 16 juin, j'ai fui jusqu'à Souq El-Ethmin dans la Oulaye de Bjaïa avec mon ami. On a été poursuivi par 2 voitures à l'époque de la pompe Chaban à Tizi Ouzou. On était obligé de fuir à vive allure. On s'est retrouvé à Souq El-Ethmin. J'ai pris attache avec la femme d'un ami à moi, qui était économe là-bas, au lycée, gestionnaire. Et c'est de là-bas que j'avais appelé un membre des droits de l'homme international, qui est Yves Forgel, qui était en Belgique, à Bruxelles. Ce monsieur, j'avais averti que voilà, que ma vie était menacée. Donc, je ne vous cache pas, 3-4 jours après, il était à Tizi Ouzou. Il était venu, on s'était rencontré à la clinique du docteur Badoul, Aziz, en fin de soirée. Et je vous dis, je vous relate tous ces faits-là parce que j'ai été victime de beaucoup d'atrocités psychologiques. Quand vous êtes surveillé, on vous crée des problèmes dans votre vie familiale et votre vie professionnelle. Et je ne pouvais pas sortir tout seul. Donc, j'avais évoqué tout ça à M. Yves Forgat. Puis, par la suite, j'ai été invité par le bureau du national du RCD. C'était Saïd Saadi, Dr Saadi et Amar Ben Younes qui m'avaient invité. J'étais parti à Alger avec un ami. Il est membre du bureau régional. J'étais obligé d'y aller dans sa voiture cachée. Jusqu'après les ICR. Il est là à témoigner de ça pour arriver à Alger. Ceci parce que j'étais invité par M. Mohandi Saad Lahermo, qui était président de la commission d'enquête sur les événements de Kabylie. D'ailleurs, au début, il y a eu quelqu'un qui était venu, qui est actuellement député FLN, que j'avais renvoyé du bureau. Il est venu se présentant comme membre de cette commission d'enquête. Voilà, il m'a dit, Simhand, Monsieur Flan, Monsieur Issad, Habib Darmak. Là, c'est Monsieur Issad, s'il veut parler avec moi, il n'a qu'à passer par le circuit officiel qui est l'administration du CHU. Donc, sur ce, arrivé à Alger, j'avais vu
docteur Saadi, Amara Ben Younes, et je ne me souviens pas, Farjallah, je pense, oui, Farjallah. On avait déjà discuté de ça. Je devais rencontrer M. Issaac le soir, mais comme il était très occupé, donc j'étais revenu à Tizi Ouzou. Et me faisant parvenir un message que mes déclarations suffisaient à la. Mes déclarations officielles sur la presse publique, la presse était suffisante comme témoignage. Par la suite, je ne vous cache pas, ça m'a coûté aussi un échec. Je voulais faire une carrière universitaire. Et comme dans ce pays ici, on n'est pas dans les rails du système, on est vite, c'est l'éviction immédiate. C'est ce qui s'est passé. Donc, j'étais contraint de, on m'a contraint à quitter le secteur public pour me retrouver dans le secteur public, privé. Alhamdoulilah, jusqu'à maintenant, mais toujours avec des problèmes, des entraves, on en assume. Donc, pour vous dire que les événements de Kabylie restent gravés dans mon esprit, je sais une chose, que j'ai fait de mon mieux, que ce soit moi, que ce soit toute l'équipe, à commencer par les agents de salle, que le personnel paramédical, le personnel médical généraliste, spécialiste, toutes spécialités confondues, nous avions fait notre devoir. Donc là, je suis content que vous m'ayez contacté, parce que c'est la première fois qu'on me donne l'occasion de m'exprimer, de dire ce qui m'était arrivé à l'époque, et sincèrement, je vis le cauchemar de 2001 à ce jour. تنميت دكتور داودي تنقيت سوازاليس تيكيو 5 تاكير تبغى تروح حد الدقوم تيذت سيال يون يوث قدرن تيذياني نني أكثر مازال الجرح وكيسارة تنقيت سوازاليس أشكو كي في الدنيا ذي تزوارات كيني ثلاث ذقنار ذمن إميران أسقسير ذي تدون كيني ثلاث دا أنشتكي يكويت خدمض إسقام أكيد صروح أمكانيك ذي السيكتور بيبليك صروح السيكتور بريفي من ميك ذا غوش أكي ذي تقراني ميكفان ليزيفينمون نعقفل نعقفل نعمل ميان Je suis parti parce que je ne pouvais pas avec la pression, les blocages, beaucoup de choses. Donc, quand on vous bloque dans la gestion de votre quotidien, gestion professionnelle de votre quotidien, parce que j'étais médecin-chef, et après si vous voulez, l'échec au concours de maître assistant, alors que Arbezara, un des membres du jury était sorti et m'a dit, écoutez, docteur Daoudi, je suis désolé de vous le dire, je n'ai pas pu placer un mot devant le président du jury et son adjoint. Malheureusement, ils vous ont cassé gratuitement. C'était professeur Ahmed et professeur Graban qui m'ont cassé. Avec la bénédiction d'un ignare ici qui s'appelle professeur Belhoussi, c'est un ignare, parce que ces gens-là, quand on n'est pas, c'est des gens du système, et nous, on n'est pas du système. Parce que ce professeur Belhoussi, durant tous les événements, Belhaïs peut témoigner, durant tous les événements de Kabylie, il n'avait jamais mis les pieds aux urgences. Jamais il est venu, ou bien sa conscience ne l'a jamais interpellé pour apporter son soutien aux blessés des événements de 2001. Tout le monde en peut en témoigner ça. Vous pouvez même contacter professeur Melboussi, il va infirmer ou confirmer ce que j'ai dit. Docteur Melboussi, donc c'est le règne de la médiocrité. C'est le règne de la médiocrité qui a fait couler ce pays. Professeur Melboussi, Youssef, qui est chef de service de traumatologie, il a activement participé à la prise en charge des malades en 2001. Ah oui, fan docteur Daoudi Daoud mazmat quel contact il nécessaire si vous voulez entendre que il est négatif il nécessaire parce que le connecté que ça ne va pas de line tu négatif mjagadan ماشي حاجه اللي ديليغي هو اللي قال لك السيكتور كي تمجيت نا سميت ديكا يرفع حكي لي فتا هو ديني كي فتا مسيو اغوماز انستيزيست وديني Tienka, parce que même M. Agoumaz, anesthésiste, ils l'ont poussé à quitter le secteur public.
Voilà. Parce qu'il était là, il a fait affront avec moi à toutes les situations. Avec Tarantini, à travers votre média, je présume que Monsieur Zerhouni est là-bas, réside là-bas. Je vous demanderai de l'inviter ou bien de lui transmettre un message que Docteur Daoudi, que vous avez voulu emprisonner pour ses positions scientifiques, objectives, est prêt à vous confronter. كان كان صح كي نسلا بلي يزيد زنوني ذاك اللي يتعايا خام ديال كندا ويفن كوني قلق نتقليب نتقليب نافي كوني نروح حتى هذه اللي ذانا كي وين يضغنا كي هذه 2000 ويون وقبلاش تا كي ويفن دوغال سلقيتني تشيني ما فهمك كامس داودي ودود كيف رام سيك وقيله مدني بلي يزيد زنوني واحد دار تيزي وزور اسكت ملالط مدي روح Non, il bloque. Hein? Je me rappelle Et au bureau, je vous cache pas, j'étais exténué. Donc, j'ai commencé à rédiger le protocole opératoire. Mais chaque nous, ce soir-là. Si Nadine est rentrée dans le ferme ligne, le docteur Daoudi est fait dans la salle de réanimation, mais de rentrée offert d'une cinquantaine de personnes. Je les ai invités dans cette forme. Mais je n'ai jamais rencontré une kiné comme ça, le ministre Agui. Je ne le connais pas. Donc la délégation D'ailleurs, vient. il a pété la tête. Ah oui? La délégation a été composée du Wali de Tizi Ouzouakhtar, Hamid Informa, Wali Abdelkader, mais qui était à l'époque, il est d'être transmis à l'Aïf. Donc ils zaf le Nira, ولي عبد القادر قال c'est الولي تيزي وزور ولي عبد القادر قال الولي تيزي وزور Niki. اميرا Niki, Wali نسى Tizi لا Ouzouakhtar. ديليغاسيون الى ديك الساعه يزيد زغوني 50 يلسن وسان داك ني بور دي ريزون دو كاميرا Voilà. تيليفزيو هاد فيلمي كوم كثر ناس Voilà. قادني اي موضان شي ليتني داسن سي انتيردي سي Voilà. Ils m'ont بورتون dit, c'est pas des blessés graves. Comme quoi, c'était pas des blessés graves. C'est pour l'opinion nationale. فوالا Comme quoi, c'était pas des blessés graves. C'était pas des. اثن C'était يشوف rien. C'était des petites blessés. اما سداودي اثن اشو يضرون وغرف ما الا وسعي على لي ميديا دونك غرف ذولا خا يسعوا غادي يسعوا لي ميديا ينس اكيد خدمه كاتور نكوني تي كيو 5 كي تموت القبايل الا خا تسعوا لي ميديا ينس غادي تسوي انت تشكي وجان هاف تيد يعني زوج الاف ويون ارثو غا مازال ودفوا غا تيد تشكو ولاش لي ميديا سواطات كي تيدينا خالد قرماح اميرن ويا في با اون افي با افيك كوا بارلي افيك كي بارلي تشكي وجان لي حالات قفر لي غيمور البوفوار في الحياه ويو كان هكا ويخدم هكا هكذا دغا تخيم كان لي حالات قفر كني ثو غي بضد لاواني وكني ادات فغتي ذات وتنا كي تاكي كي في الدنيا يعني الساعه يا زال طاس Non, طاس mais une qui est Oui. Il se alors le 18, le 20, le 21, ou je ne sais pas, le 21, Arte était venu. Arte était venu samedi, mais d'ailleurs, il y a les photos sur les archives. Il avait 17 ans. 17 ou 18 ans. C'est moi qui avais permis à Arte de filmer en direct. C'était là où j'avais dit que c'était des balles explosives. Voilà. Voilà le terme que je ne voulais pas utiliser, parce que ça m'a coûté beaucoup de choses. Maintenant, je le dis, c'était des balles explosives. Voilà. Parce que pour ces propos, je vous le dis, j'avais reçu en civil, un jeudi matin, j'avais reçu le directeur du matin. Ismi Sakouni Bouna Bachikou, Al-Hafs, Mohamed Bouna Bachikou, Al-Hafs. Mohamed J'ai oublié Bachikou, son Mohamed nom. Bachikou. Ah, Benchikou. Voilà. Benchikou est venu pour parler. Puis une demi-heure après, je reçois une dame, je pense que s'appelait Lara, dit, je ne sais pas, Zor quelque chose. Elle vient avec un monsieur d'un certain âge, en jogging. Elle me le présente comme étant son chauffeur.
J'ai dit, madame, je vais converser avec vous sur des points importants en présence de votre chauffeur. Je dis, ça passe pas, ça. C'est logique. J'ai dit, je ne peux pas discuter avec vous en présence de votre chauffeur. C'est par la suite qu'il a décliné son identité. Je ne dirais pas son c'était un haut cadre. Et c'est là où j'ai dit, maintenant, je discute avec vous, madame, ou avec lui. Et c'est là où la dame est sortie. Et puis, j'ai débattu avec ce monsieur. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous voulez? Il est arrivé à me dire, écoutez, il fallait pas dire que les balles étaient comme ça. Je lui ai dit, écoutez, moi, j'ai parlé médicalement. Je n'ai pas parlé, je ne suis pas un technicien en armement, je ne suis pas un militaire, en balistique, je suis un médecin. J'ai dit que ces balles ont traumatisé, ont fait exploser des organes à l'intérieur du thorax ou de l'abdomen. Femme réelle. Voilà ce que j'ai dit. Et ceci m'a coûté et me coûte à ce jour beaucoup de choses. Yanni, pour vous dire que mon passeport m'a été restitué qu'en 2015. Voilà. Ah oui, 2015. Hein. Voilà. Voilà. Donc, je ne suis pas parti à l'étranger depuis 99, 2000. J'étais faire un stage en France, en transplantation. D'ailleurs, alhamdoulilah, le stage en chirurgie hépatique m'a été profitable ici. M'a été profitable parce que ce que j'avais appris là-bas à l'hôpital Beaujon, je remercie l'équipe de Beaujon, à sa tête le professeur Belghiti, qui est algérien de pied noir, hein, algérien de souche de Chlef, la région de Chlef. Donc ça m'avait permis de ramener un savoir que j'ai appliqué sur un des patients qui a été, qui est encore vivant à ce jour. C'est un jeune refèche qui est handicapé moteur, mais il vit. Parce que maintenant, il vit en France. J'ai oublié son nom, son prénom, c'est refèche. Il avait un traumatisme, il avait tout le foie éclaboussé. Je vais vous dire, c'est une anecdote. Je devais opérer un malade d'une hernie, d'une éventration, c'est-à-dire une hernie de l'refèche. Et il avait ramené, on avait commandé une plaque un peu spéciale, c'est des plaques résorbables en vitrine. Eh ben, c'était cette plaque qui m'avait permis de remettre son foie, de confectionner un filet et de rassembler son foie. Alhamdoulilah, il est vivant bien, pourtant maintenant il vit en France. Et c'est grâce à moi, à toute l'équipe de l'époque, qu'on lui a permis d'être évacué en France. Et actuellement, il vit là-bas, sur une charrette, mais il est vivant bien, pourtant. Et donc, Ougada, qui font partie des blessés du printemps noir, c'est ça, Ougada, qui est dedans? Bien sûr, c'est un monsieur Khafesh. Le prénom, je ne me souviens pas si c'est Massinissa ou quelque chose comme ça. Ou Younes, j'oublie le prénom, je ne vous le cache pas. Ça ne fait pas assez. Il y a eu d'autres. Et même, je profite de l'occasion pour vous dire que j'ai retrouvé un des blessés par balle. Durant la mort de Matou Belounès, j'ai déclaré d'ailleurs sur BRTV avant-hier, c'est un jeune de Timisoara, la communauté Zouzou, qui s'appelle Farid Mamziani. Écoutez, il avait reçu un coup, un civil avait tiré à bout portant sur lui en face de l'hôpital un après-midi le samedi 27. Eh ben, il est vivant bien, pourtant, à ce jour. Je l'avais opéré avec la bénédiction de Dieu. Il y a la famille, il y a un chemitzura. Ça, depuis le 99. Donc, ça veut dire que il y a des gens dans ce pays qui sont dévoués, qui aiment ce pays, comme vous. C'est pas parce qu'après qu'on dit, même, c'est parce qu'Arvel Tumortagi, il déiroune. Il y a un chirune, et qu'il est là. Donc, voilà, c'est Rachid, je ne. Allah dar sbah tan ditouz mirak fwa tidi nini raran en 2000 al hasou lena docteur daoudi tan nsedak tagana fi kidra tanagi tini kinti tik nidani tsadna zalo kini tan mi tata tata w tidi di 25 katsm takkan dakin docteur kamal daoudi ishla kini yew tmari kani tidi wahan si kansas tla khmasani munqa francis lablation interroyé sous hypnose, un chèque qui est dans des deux jambes
2018 كن داغون ثلاثة سكواس وقبل نشتكي دي مغرس 2015 الدكتور كمال داود ديري خدم لوبيراسيون ثم زواروث دي ثمورث نواكوس ناري منقار الكواتر نشتكي لد سداو ليبنوز الانستيزي لوكال يا كمل كان اولا كاو ما بغاتي دارنو دوك ني نكفو تاد ويل تاكي ثاني كي تاكينيك اولا كاو نيك لا شوف اكيد نستنى ميد ميد اسكيفاني لوكازيون اكيد هاد المسلايا عفايني يضر فاكن مازال يزدغدي يقرحي يزدغدي خاطر زعما راتي ديني ما تي لكن ديني راه ديني الحق تخلص طلبه ماشي كبرى اون ابري دي بوزيسيون constante, c'est-à-dire des positions honnêtes et scientifiques. Et on en a payé, on a payé un autre tribut. Mmh. Je ne suis pas là à demander à être flan. Non, ce que j'ai dit, mais les gens qui m'ont fait du mal, ils vont se distinguer demain. Parce que l'histoire, l'histoire revient. Et jamais on pourra effacer l'histoire de sa réalité. C'est le mieux. C'est le mieux. Tamprat, Slami Udahmaya, Kirkwayan, Sumata, et bien des morts du Canada au final. C'est le mieux, Mas Daoudé, Kounoumse, Akud Kounoué, Disselen, Athan Slam, Eda, Docteur Daoudé, Inek Belir. يشوف قد كاين اكزام ديك تاع شحال هيا ذاك يتاوني تيكون تناول تي كيو 5 اون ديك ايزن ياليون ذيك ون ياليوث ذيك ثن تيك سعان اشو يكفر تقول لي سودي فيغا غاي بغات دي تشوفها اتاني هير تيغار فن تي كيو 5 لا بلاتفورم تي كيو 5 في كاي تاوني تيوكني اردي سيول اسهل الماضي ماضي غتروحهم تي كيو 5 ميديا أفران غارني كنت ساعة أما الفيسبوك أما التويتر أما إنستغرام أما اليوتيوب أكني أغديرو أكني أسنسي ولي وكني أديف كسانا جيس إنس أكاكين يوسع أثاقران تبلي لتكير إغدي اسم لنكني دكتور داود دي كسيان ملي لتنجي ثايدون دين قيمات ذي ثلويث